Amis téléspectateurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Non pas c'est Evenson Frank, c'est un plaisir pour moi avec vous pour présenter au téléjournal là rapidement mes grands titres. Pico point cap dominé actualité 1, Premier ministre démissionnaire Dr Jacques Guy Lafontaine. Délégation Conseil supérieur police nationale là, visité hier dimanche soir commune Belader après attaque l'armée dominicaine dans la zone. Bureau Sénat République là remet officiellement lundi 13 d'Aoua, pièce maître Jean-Henri Séan by commission et spéciale Sénat qui est chargé pour analyser dossier Premier ministre nommé. Ministère environnement lancé officiellement lundi 20 août là un projet réforestation dans le cadre de la conférence bilatérale entre pays d'Haïti et pays Mexique. Délégation qui t'a représenté Haïti dans 12e édition concours international Earth Science Olympiade YESO 2018 là dans le pays Thaïlande, retourné dans le pays week-end passé à ministre éducation nationale démissionnaire Pierre Josué Agénor Cadet et al accueilli participant non aéroport international Toussaint Louverture. Dans l'occasion, 53e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 20 août la directeur général Société Nationale PAC Industrielio, Bernard Chetini, soumission Sonapi, activité les réaliser à perspective. Une actualité internationale là, hommage au participant adjoint ancien secrétaire général organisation Nations Unies, Kofi Annan, qui mourit à 80 l'année après un titan, il était passé malade. C'est ensemble point nobral développé pour un petit moment, rété branché, Naptonen. Pour sous télévision nationale d'Haïti, mais journal là en détail, Premier ministre démissionnaire, Dr Jacques Guy Lafontaine, en tête délégation, Conseil supérieur police nationale là, réalisé une visite hier dimanche là dans la commune Belader. Visite ça a fait quelques jours après l'armée dominicaine t'est attaqué zone frontière ça, côté plusieurs haïtiens t'apprend balle. Le comportement qui soulevait colère autorité haïtienne. Le reportage Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Visite ça, c'est pour permettre délégation au Conseil supérieur police nationale là, constater des gaillots et puis informer ce qui ça qui t'a à la base attaque militaire dominicain yo sur haïtien yo. Premier ministre démissionnaire Jacques Guy Lafontaine annonçait au pral travail pour prendre une série mesures pour empêcher action ça yo répéter. C'est que situation retourner dans calme et sous contrôle. Il est sous contrôle. On a demandé la population pour le Kembe calme, continuer le Kembe calme, pendant que nous-mêmes, comme autorité, pour nous continuer, n'est-ce pas vrai, avec toute une série de mesures pour nous stabiliser la situation. Côté que, jeudi en même, le ministre des Affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain pour le cas partager les informations avec elle et fixer la position du gouvernement haïtien. Chef gouvernement démissionnaire a annoncé au pral mettre campé une commission interministérielle capable pour analyser information yo joignyo et puis continuer enquêter sur situation pour capable gagner vraie donnée sur ça qui t'a la cause attaque ça. Nous pral aller, n'est-ce pas vrai, mettre en branle une commission interministérielle qui pral aller, n'est-ce pas vrai, font synthèse de toute information que nous recueillons aujourd'hui après traitement et pour nous prendre des mesures parce que nous connaissons que il y a des problèmes sérieux au niveau de la frontière, notamment au niveau de la ville de Belader. Mais toute train de mesures, ça a intéressé toutes communes, 16 communes qui gagnent au niveau de la bande frontalière. Et nous portons attention plus spéciale au niveau de 4 grandes villes, à savoir Wanamet, Belader, Ansapit et puis Malpass. Président Conseil supérieur police nationale a annoncé une série de dispositions pour renforcer la sécurité dans la zone frontalière, pour empêcher répétition de Zaksayo, mais tout pour lutter contre contrebande et le trafic illicite qui a fait sur la frontière. Nous parlons chita tout au niveau du CSPN avec l'autorité policière pour nous capables de renforcer la sécurité. Sécurité nous pour nous protéger la population parce que nous connaissons que la devise la police c'est protéger et servir. La non seulement pour combattre contrebande, mais tout pour protéger la population. Mais la population tout,
On a demandé population pour le capable, n'est-ce pas vrai, monde qui gagne des âmes dans la population pour le cas déposer des âmes, remettre des âmes à la police, côté que nous gagne des actes de brigandage, côté que nous gagne contrebande, nous gagne trafic d'âmes, trafic de drogue qui a fait au niveau de Ville Belader et notamment au niveau d'autres villes frontalières. Et nous connaissons que l'État prend responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans la SAO, l'État prend responsabilité. Nous avons rappelé que ce n'est pas la première fois que militaire dominicain a fait attaque SAO sur Haïtiens qui vivent dans la zone frontalière ou soit qui a mené activité commerciale. Le gouvernement haïtien dit qu'il a pris disposition pour renforcer la zone frontalière pendant qu'il travaille pour harmoniser les relations entre deux peuples. L'autre nouvelle, dans la nuit dimanche 19 pour l'ouvrir lundi 20 août, Mounio Parivé identifié, tiré sur l'entrée chambre député 1, côté yon patine en vite la crasée. La police avec la justice Terranio n'en palmant dans le cadre de Constaillo. Côté la police scientifique déjà l'ouvrir en enquête. Certains agents sécurité palmant et empêcher journalistes rentrer dans quelques espaces pour te vérifier si la police t'attendait quelques agents sécurité palmant qui étaient programmés pendant incident. Président Sénat Joseph Lambert dit Yapton, résultat enquête là, yon extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Wilwich. Première réaction, nous, c'est garder instance qui a expertise dans la question ZAM, dans la question engin explosif. C'est eux-mêmes qui pouvaient garder ça passé. C'est ça qui fait que sur place, tu gagné la police scientifique, nous avons gagné tout, DCPJ. Et nous avons requis le juge de paix pour être capable de venir dresser procès verbal de constat ça passé. À ce stade, nous croyons que nous avons attendu les résultats ou bien les conclusions préliminaires de 1 DCPJ et 2 de la police scientifique pour nous capables de faire une déduction logique de ce qui passait effectivement dans cet parlement. Nous ne voulons pas cataloguer ce qui passait en rien. Nous ne voulons pas balayer aucune couleur, nous ne voulons pas balayer aucun rien comme qualificatif. Nous ne voulons pas qualifier. Nous avons retenu d'abord résultat enquête préliminaire et résultat ou bien les conclusions de expertise que police scientifique a fait une faire. Et c'est le ça seulement n'a capable de faire une déduction. N'a dit nous pas accepter qu'un vagabondage fait ici hein, parce que si la presse pas présente ensemble avec nous ici hein, personne ne va jamais informer de ce qui a passé ici hein, ni de l'activité que n'a conduit ici. Hein. Et nous-mêmes si on va avec ça produit sans que nous personnellement gagne aucune information sur question, hein, m'a choisi dans non Sénat, dans non bureau pour me présenter nos toutes excuses. Hein. Mais ça pas arrêter là. Nous estimons que si tu as gagné un comportement aussi désobligeant vis-à-vis de un membre de la presse, ou bien n'importe qui, monde qui a fréquenté le Parlement, nous allons prendre toutes les dispositions appropriées et puis pour que nous sévions contre l'agence avec la plus grande rigueur. Bureau Sénat remet officiellement lundi 20 août là 13 pièces Premier ministre nommé Jean Rissé en commission et spéciale Sénat qui chargé pour analyser dossier yo. Président Sénat Joseph Lambert fait qu'on est. Il y a tant de pièces toutes ministres avec secrétaire d'État qui a bien pour faire partie prochain gouvernement pour analyser yo. Même Jean Premier ministre non. Commission et spéciale là gagne en tête li. Sénateur au nom Dieu lui, président Dieudonné Luma Etienne, secrétaire rapporté. D'après président Sénat, Joseph Lambert, qui était dans le micro, Fédéral confident avec Moïse Wilwich. Règlement intérieur, nous dis-nous qui Jean pour nous former commission spéciale qui appelait à analyser pièces à la fois Premier ministre et en même temps toutes ministres pour nous capables d'inviter Premier ministre à venir faire déclaration politique générale. Commission ça était formée et nous t'ai assuré nous que le reflété Jean règlement intérieur nous dit nous les différentes tendances politiques qui gagnent en dans assemblée son commission de 7 membres dont un membre ou bien un groupe ou bien une tendance qui pas
un groupe qui n'est pas formel, mais en tendance, qui entre dans le Sénat, eh bien, tu es choisi, eux-mêmes, par voir la presse, dit que n'ont pas entendu participer. Ce qui n'a pas dérangé rien. Six membres qui forment une commission, dont quatre ensemble avec nous là, et plus particulièrement le président de commission ça, que ont élu en la commission à la personne du sénateur au nom de Dieu, Louis, eh bien, il était écrit nous tout, puis il était mis au courant de travail que ont fait dans le niveau par la commission, et côté, il était élu bureau qui appelait à conduire question dans le niveau commission spéciale. Et il était dans la même lettre ça, il a demandé nous tout pour que nous te voyions, mettez à la disposition yo, tout dossier pour les ministres te déposer ici. C'est ainsi que je dis formellement devant la presse, eh bien, nous avons fait remise officielle tout dossier, généralement quelconque, que le Premier ministre choisit ou bien juge. Et commission a gagné pour lui produire rapport lui. Et commission a tout attend avec impatience dossier tout ministre surtout qui va constituer cabinet ministériel. Des ministres, des secrétaires d'État, six secrétaires d'État, il y en aura. Et nous allons transférer, même Jean nous fait là, tout dossier ça autour de la commission. Et c'est commission qui, en finale, est capable d'autoriser bureau sur la base de analyse et conclusion que tirer de tout dossier qui est en possession pour inviter le Premier ministre, pour demander bureau à inviter le Premier ministre, venir faire déclaration politique générale. On va parler éducation dans le journal là. Bureau national examen l'état BUNEX dressé lundi 20 août là. Bilan, examen officiel, session extraordinaire baccalauréat pour année académique 2017-2018 là. Professeur Renan Michel expliqué. Examen a été déroulé sans gros difficultés. Pour qu'on y a toute disposition déjà prend pour commencer avec opération correction yo. Directeur bureau national examen l'état yo. Professeur Renan Michel promette publication résultat yo. A fait avant rentrer l'école là. On suit plus d'explications dans le micro Midrey Milias avec Hervé Pierre. Déjà vous terminez que tout va passer très bien et que d'après le rapport que nous avons de toute direction départementale et pas de aucun incident grave qui était arrivé. Qu'est-ce que le centre d'examen, par exemple, au niveau de la grande danse du centre, là, il a ramassé quelques téléphones qui ont été saisis et que nous prenons au niveau du centre, il y a deux minutes arrêtées. Et après ça, par un rien, une autre étape qui passait, est capable de perturber les résultats et de perturber le processus d'examen. Toute correction commence dans toute direction départementale. D'après le rapport que nous avons de dire que le département a lieu et qu'il a avancé rapidement et que la BINEX a déjà mobilisé, nous avons mis trois équipes sur pied au fur et à mesure que Bordeaux de corruption a rentré, et bien a fait saisir pour dans quelle mesure, et bien avant l'ouverture, si nous avons capable de résultat pour ces chaînes extraordinaires là en fonction de. Et des patrons qui ont banné Bordeaux. Nous avons gagné près de 4 000 personnes qui ont participé dans cette session extraordinaire. Là. Et que pour les gens qui ont participé, seulement c'était 100 seulement qui ont participé. Parce que nous avons fait des comptes déjà. Nous avons dit près de 5 058 personnes qui ont composé. C'était 334 seulement qui ont joué, qui étaient validables. C'est-à-dire qui répondent à normes, qui répondent à critères. Dans 334, ça veut dire que 276 qui étaient inscrits, c'est-à-dire que c'est 276 timoun que nous avons figuré nos formulaires d'inscription. Et dans 276, ça veut dire que 255 seulement qui ont participé à l'examen, ça veut dire que 83 pratiquement qui ont réussi, nous avons 100 qui ont ajourné et 72 qui ont éliminé. Donc, on a peu approché dans les corrections examen
Par exemple, au département de l'Ouest, il y a une matière qui est presque finie. Il y a un rebord pour nous faire saisir. Donc, après saisir, on va passer dans la phase de troisième corruption. Et puis, après troisième corruption, pour nous commencer à arriver dans le résultat. Mais le processus là, il n'est pas fini avec corruption. Après corruption, il faut bien saisir notre qui fait. Bon, malheureusement, il y a un petit peu au niveau des Bordeaux de corruption. Parfois, Bordeaux, il était mal et préparé. Qui a abandonné notre retard. Et c'est cette raison que nous prenons des mesures pour que trois équipes travaillent 24 sur 24, 7 sur 7, mais pour que dans le meilleur délai, eh bien, nous baillons sur ça. Vous avez annoncé l'Antitio, délégation qui t'a la représentée. Haïti dans 12e édition concours international Earth Science Olympiade Yeso 2018 là dans pays Thaïlande retourné dans pays A week-end passé là. Dans le cadre de concours ça élève collège 4 Pressoir yo qui était représenté Haïti remporté 2 médailles bronze avec premier place ministre d'éducation nationale des missionnaires Pierre Josué Agénor Cadet qui était à l'accueil dans l'aéroport international Toussaint Louverture montré important à la nécessité pour encadrer géniaux pour continuer à représenter PIA comme ça doit. Reportage Falland Delphin avec Hervé Pierre. Concours international, ça qui base sur l'interaction entre biosphère, atmosphère, hydrosphère et lithosphère, qui est réalisé en essai dans la ville de Kanchanaburi, pays Thaïlande, sorti 8 pour arriver 17 août 2018 là. Jennifer Vanessa Constant et Cédric Abby Garcia, bien aimé, c'est nos deux jeunes élèves dans le collège 4 Pressoir qui remportent ensemble première place dans l'épreuve recherche documentaire Health System Project et investigation souterrain International Team Field Investigation. Pour directeur collège 4 Pressoir, Victoire Jeune Sayo, dans le concours géosciences internationales, c'est une fierté pour l'école là et le pays d'Haïti. Guy Etienne, ouais, il est nécessaire pour qu'il y ait plus d'écoles de qualité dans le pays qui pour bâtir une bonne éducation. Nous allons recevoir une invitation pour participer à un sommet également de géosciences en Inde. Et là, nous allons pouvoir y participer. Là, maintenant, je profite pour dire aussi que nous avons été approchés par les organisateurs de PISA. PISA, c'est l'un des tests les plus prestigieux du monde pour des enfants de 15 ans. Et nous allons aussi préparer nos jeunes pour qu'ils participent à ces compétitions, à la compétition de PISA. Ce qu'on veut montrer, c'est que nos jeunes haïtiens sont capables de se mesurer aux jeunes du monde entier. Expérience ça, c'était occasion pour Cédric et Vanessa contrer avec 250 jeunes qui sont dans 40 autres pays, partager connaissances et puis faire échange culturel. Deux jeunes 16 l'année ça yo promettent yo pral travail pour préparer pour remporter plus prix dans participation yo dans prochaine édition. On est fiers, c'est vrai qu'on a quand même pu faire quelque chose et aussi on a échangé, on a appris beaucoup d'eux et on est revenu avec quelque chose et aussi on pourra apprendre avec d'autres jeunes, leur mettre sur la voie pour qu'ils puissent apporter encore plus de prix. Quand on parle du point de vue travail, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un d'aboutir à un objectif. L'essentiel, c'est de travailler dur, de franchir tous les obstacles qu'il y a devant nous et de ne jamais s'arrêter, toujours continuer jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif. Ministre éducation nationale et formation professionnelle des missionnaires, Pierre-Josué Agénor Cadet, dit victoire ça, c'est une preuve qu'il y a un travail qu'a fait dans le système éducatif là. Pour professeur Cadet, deux jeunes saillants doivent être un modèle pour encourager les jeunes qui viennent pour concentrer au plus sur l'étude. Malgré toute la critique concernant le système éducatif, il y a un travail qui se fait quelque part. Et ce n'est pas un secret pour personne qu'au collège 4 Pressoir, il y a une éducation de qualité qui se donne. Et comme l'a souligné encore le directeur, donc c'est un travail à dupliquer à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, nous avons la grande nécessité d'avoir beaucoup de collèges à la dimension du collège 4 Pressoir en Haïti. Et pour le bien du pays, pour le développement du pays. Nous saisissons cette occasion aussi pour dire que nos jeunes, ça, et Vanessa et Cédric le prouvent, sont très intelligents. Et je le dis souvent, il faut leur apprendre à apprendre. Donc quand ils trouvent de l'encadrement, et c'est le moment pour nous aussi de présenter toutes nos félicitations aux parents de ces deux jeunes qui ont fait valoir Haïti à l'étranger
et les parents de Cédric, les parents de Vanessa, et surtout et nos compliments au directeur Guy Etienne qui, depuis belle lurette, fait un très bon travail dans le domaine éducatif en Haïti et qui travaille aussi pour lever le niveau de l'éducation en Haïti. C'est deuxième participation pays d'Haïti dans le concours international géosciences SA. Collège 4 Pressoir déjà recevoir invitation pour 13e édition concours IESO 2019 là qui prévoit fête dans le pays Corée du Sud. Ministère environnement lancé officiellement lundi 20 août là un projet réforestation dans le cadre conférence bilatérale entre pays d'Haïti et pays Mexique. Dans l'occasion, ambassadeur Mexique là, Hector Manuel Rodriguez, parlait sous ensemble travail au bras réalisé dans le cadre caravane changement pour permettre de reboiser 10 000 hectares. Ministre environnement Pierre Simon Georges, sous Bopal, fait qu'on est. Projet ça, qui coûtait 10 millions de dollars américains, pour permettre de construire l'autre centre Gemoplace forestier à Kefritier. En suivant bout dans la déclaration, yo, dans le micro d'Aline Dorival à Hervé Pierre. Le Mexique, en tant que frère d'Haïti, participe à ses efforts pour restaurer son environnement et diminuer les impacts des désastres naturels. C'est justement la raison d'être de ce projet-là qui voudrait augmenter la couverture forestière d'Haïti en reboisant 10 000 hectares. Monsieur, mesdames, c'est notre fraternelle contribution aux objectifs de la caravane du changement. Pour ce qui est de partenariat, cet objectif retient aussi mon attention parce qu'il fait appel à la collaboration et à la coopération. De ce fait, la présence de ces deux émissaires mexicains témoigne la solidarité du gouvernement mexicain envers le gouvernement haïtien. Et comme je viens de vous dire aussi, de la société mexicaine à la société haïtienne. Ce projet va couvrir les frais de construction de 202 gemmoplaces forestiers et fruitiers et va également assurer le suivi de fonctionnement, la formation, la mise en terre des plantules, la recherche et d'autres activités y relatives. Sous le haut patronage du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse vient de procéder à l'inauguration de ce troisième centre de germoplasme forestier et fruitier à Marfran dans la Grandance. Le gouvernement veut rattraper de nombreuses années perdues et placées avec les centres de germoplasme fruitier, le reboisement et la réforestation du pays au cœur de l'agenda de développement d'Haïti et contribuer au projet de société du président, d'organiser le pays en territoire viable, compétitif, porteur de dynamique territoriale durable. Directrice générale du ministère environnement, Nicole Yolette Alder-Augustin, lancé projet qui visait dans ville, rendre ville pour des paix propres et puis limiter dégâts, les gains inondations, cérémonie en déroulé dans centre opération Igence, dans ville, port de paix. Marc Eddy Ossam pour détail. Dans le cas d'exécution, le mini-projet ça, cap côté environ 2 63 000 gourdes exécutant yo doit mettre accent sur kirage canal yo, ramasser fatra et puis reboiser tête micro, bassin versant yo qui alimenter ville pour les paix avec l'eau, la boue chaque fois la pluie tombée. Selon déclaration directrice générale ministère environnement, madame Yolette Nicole Altidor qui souhaitait projet ça, bay cité capo la moi, yon l'autre image dans la question insalubrité et puis diminuer risque inondation dans chef lieu département. Au moins 2500 mètres littoraux de canaux de drainage seront curés dans les zones suivantes. Boulevard des Trois Rivières, canal Montaché, champ d'aviation, Nankouyout, sous-canal, Tiport de Paix, etc. Les quartiers suivants seront régulièrement nettoyés. Boulevard des Trois Rivières, sous-canal, devant PN, Demelus, etc. 5000 plantules de cocotiers, de manguiers et de citrus
seront mises à terre sur les micro-bassins versants de Port-de-Paix. Tenez compte des rôles agents environnementaux avec responsabilité et les locaux dans la protection environnement et gestion ressources naturelles. Projet ça doit toucher tout formation pour des entités pour renforcer capacité d'après DG ministère environnement. 30 agents environnementaux seront formés. Au moins 5000 personnes seront sensibilisées sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets. Deux forums de sensibilisation et de renforcement des capacités seront réalisés au profit des élus locaux sur la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement et la gestion des déchets. N'a pas souligné mini projet sur réduction insalubrité à crise et inondation en ville pour des PA a réalisé suite à une étude technique. Un cubain en tête collée avec le ministère de l'Environnement et d'Haïti a réalisé dans le mois de mai 2018. Côté, il a fait un ensemble de propositions de solutions à court terme, à moyen terme et à long terme pour résoudre les PA qui liés surtout à mauvaise gestion environnement. Depuis, c'était Capo la mort pour le père Mok Edi Osam. Antenne Télévision L'État. Nous allons marquer deuxième pause dans le journal là, nous retournons pour cette information. Nous retournons après Posa, nous allons parler santé, ministère santé publique avec population en tête collée à Institut haïtien pour Timoun, réalisé lundi 20 août, un atelier pour journalistes, enquête mentalité, mobilité et MUS 6 2016-2017 à Kijan pour utiliser résultats donnés qui n'en enquête ça. D'après directrice exécutive IHEA, Dr Valérie Blot, y arrivait interviewé 13 546 ménages à travers 10 départements géographiques PIA dans le cadre enquête ça. Directrice IHEA expliquait plus loin. Atelier ça pour le permettre journalistio interpréter indicateur qui non dernier rapport EMU 6 là pendant l'annoncé publication dernier enquête EMU 6 là pour mardi 21 août là. En suivi un extrait dans micro Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Activité spécialement pour journalistes qui c'est un atelier côté que nous t'évelons avant que nous fassions lancement officiel et mislan demain. Inviter journalistes pour que les gens comprennent pour qui ça a donné un important et qui gens y ont utilisé données de manière correcte dans le rapport que y a fait ou encore dans le dossier que y a écrit, dans l'interview que y a écrit. Nous pensons que données monsieur tellement important. Donc, il est important que nous fassions un petit travail sur ça pour nous présenter tableau pour tout le monde qui a une bonne compréhension de données pour un article que y a écrit pour y a écrit par rapport avec une bonne compréhension de données. C'est pour ça que nous attendons tout le monde, tout journaliste demain. Demain c'est lancement officiel EMUS. Donc et demain la fête là dans Kinam 2. Donc nous attendons tout le monde pour venir attendre résultat EMUS 6. Ça dépend pour différentes phases d'enquête là, mais pour collecter données sur terrain yo, il te prend environ 4 mois et demi. Parce que nous avons commencé à collecter données en décembre et nous avons fini en avril. Dans le cadre de la célébration 15e année existence Archives nationales d'Haïti 20 août là, institution a organisé vendredi 17 août passé une journée porte l'ouvrir dans tout local côté Archives nationales d'Haïti à bail service dans le pays. Lunel Jean-Louis Pierre Hervé a présenté une contrainte. Je ne peux trouver ça bien pour objectif permettre la population à comprendre bien que le service archives nationales d'Haïti a offert et puis bas explication sur les difficultés qui gagnaient dans le service archivio d'après le directeur général institution Wilfried Bertrand. Objectif principal je ne peux trouver ça c'est pour deux bagailles. Faire retirer dans tête haïtien pour que l'on parle de l'archive nationale pour parler état civil. Archive nationale pas dit état civil. État civil là c'est des registres. Le registre civil qui vient en archive, quoi n'importe le type d'archive vini. Le ministre des Dépôts n'est pas lui-même qui principale préoccupation nous. Préoccupation nous devons pour nous faire haïtiens comprendre que en d'archive nationale, c'est une question de registre civil, mais c'est des documents qui relataient tout ce pays à faire comme expérience positive ou négative, que nous devons servir avec eux. Pour éviter que nous ne pas commettre mes erreurs et pour nous peut-être bâtir un meilleur avenir pour le pays d'Haïti. C'est ça que nous voulons faire par ici un vinoué. Nous invitons au vinoué qui a un travail à fait, qui s'est fait, qui a fait, et puis comprendre tout.
tout particulièrement problème état civil là le vini y a un archive national responsable pour nous montrer que c'est pas nous qui sommes responsables. C'est le système état civil là qui dépassé, complètement dépassé. Et puis on vient pour qui problème qui vient dans le système état civil là. Et si on pas venir là, pour voir côté Mounio à travail, qui c'est à faire pour expliquer ou pas comprendre, l'objet d'une archive à coup plein faute, l'objet d'une archive ou pas qu'à un extrait, l'objet d'une archive ou qu'on prend le temps, on va pour avoir un extrait, ou pas qu'à comprendre, ça c'est fini pour venir là. Et je n'ai pas trouvé ça. C'est une, on a pu faire encore, on a pu faire plusieurs fois, jusqu'à ce que la population vienne pour comprendre le fonctionnement qui a fonctionné, les difficultés nous rencontrer. Et même tout qui a prévenu les difficultés. Vanessa Saint-Hubert, opératrice de saisie archives nationales d'Haïti. Donc, je vais regarder l'année qui est registre lié. Ensuite, je vais aller, premier travail, je vais faire page de Godla. Page de Godla qui c'est commune, ma propre commune qui c'est Port-au-Prince, qui c'est section nord, et puis qui type de déclaration lié. Donc, si mon nation à la naissance, ou bien acte par décret, ou bien tardif, etc. Donc, comme ça, c'est un tardif, donc moi entre déclaration tardive, ensuite moi mettez dans qui année, et puis moi mettez numéro registre là. Donc, depuis que je finis tout ça, donc, on y a un ouvrir registre là. Donc, qui c'est numéro 293, nous gardons là, moi numéro 293, donc c'est lui. Ensuite, je vais vérifier le nom qui c'est Marlène Lapierre. Donc, là c'est Marlène Lapierre qui fait 6 décembre 1956. Donc, là, je vais besoin de ça encore me déposer. Pour y aller, moi on a fait avec registre là. C'est une occasion pour tout le monde. Pour yoter venir visiter comme si pour yoter est-ce que c'est nous mêmes dans vraiment qui fait yoter ou bien est-ce que c'est monde qui t'a transcrit à là parce que dès pour pas en dedans moi toujours penser que c'est monde qui en dedans qui fait donc c'est leur la donne comme si il y a bonne explication ou après que parfois c'est pas nous mêmes parfois on dit qu'à tomber mais dans validation monde qui a validé là il y a tout et bah pour corriger. Archives nationales d'Haïti disposait plusieurs sections dans le cadre de préparation extrait. Il y a une section magasin qui vient là-dedans, tout registre qui est enregistré à Akyo. Il y a une section juridique qui traite tout jugement qui fait sur Akyo. Il y a une section recherche. Il y a une section qui est disponible pour saisir données. Et puis il y a une section pour livraison. Dans l'occasion, 53e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 20 août là, directeur général Société Nationale Pacte Industriel Yo, Bernard Chetini. Dans l'occasion 1, directeur général Sonapi a parlé sous mission Sonapi activité réalisée avec perspective. Ensuite, reportage Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arlie Jean-Jacques. Fait promotion pour création d'emploi, c'est principale mission Société Nationale PAC Industriel Yo Sonapi, cap géré PAC Industriel Caracol Lapic à PAC Industriel Métropolitain PIM. Dans cadre mission ça, responsable Sonapi yo ba tête yo objectif non seulement pour créer nouvel espace industriel qui répond à norme international yo pour faciliter investissement dans pays ya, mais tout pour diversifier investissement yo. Nous avons investissement de près de 246 millions de dollars déjà qui fait. Et nous avons une balance de 43 millions. C'est pour me dire qu'investissement, ça, ce sont des dons que vous avez. C'est la Bible qui baille, et nous avons une partie tout qui est investi par USAID, lui-même qui fait centrale électrique, fameuse centrale Enrica, centrale Caracol, là, j'ai habitué les deux. Nous avons 190 000 m2 de construit. Nous avons 80 hectares de terre sur 252 qui paraît déjà et disponible à exploiter. Nous avons venu à 59 hectares, on y allait à peu près à plus de 66 hectares. Parce qu'on n'a pas qu'être propriété dans la zone, et ces propriétés passionnées à piloter, donc nous récupérons. Actuellement, et je suis capable de dire, en 20 années, on a commencé, nous avons 53 bâtiments qui étaient variés entre 1700 et 3250 m2. Et nous avons des nouveaux bâtiments qu'on y a, attendez bien différence. Hein? Nous sortis de 3250 m2, nous tombons à 13125 m2. Selon le directeur général Sonapia, Bernard Chetini, il y a une augmentation dans les affaires création d'emploi dans deux PACIO. Puis loin, il explique qu'il y a travail sur un projet d'expansion qui vise à développer la capacité Sonapi dans l'infrastructure, attirer maximum investisseurs et puis créer 10 000 jobs d'ici fin année 2019 là. Et expansion de Kumbanel, c'est au niveau de PIM et au niveau de PIC. Parce que PIC, tout, il y a 43 millions de dollars
qui était la main et bid qui a décaissé, supposément d'accord, mais c'est décaissé à l'ISA, et qui a bien, c'est UTE qui a géré comme ça pour les constructions. Donc, nous avons été capables d'avancer tout pour nous capables de créer des emplois additionnels au niveau de parc industriel Caracol. Nous tenons à faire remarquer que yon grand investisseur qui est déjà Caracol, qui gagne sous 14 000 ans, il gagne 12 000 jobs boulés, il promet pour d'ici fin 2020, il bâille 20 000 emplois en l'air seulement. De l'autre côté, le directeur général l'a fait connaître diverses infrastructures qui sont disponibles dans le parc industriel Caracol, comme l'usine électrique, l'usine de production de l'eau, station de traitement de l'eau usée. Il y a l'autre service, l'idée qui est disponible dans tous deux parcs, service ambulancier, douanier, sécurité. Le directeur Chetini précise qu'il y a un travail qu'a fait ensemble avec l'autre institution pour améliorer les conditions de travail ouvrier. Quand il y a un point de vue au FATMA et au NAJANDI, je suis capable de dire qu'il y a 2-3 mois de ça. Exactement. Une campagne qui était lancée, côté que nous-mêmes, en tant que responsables et SONAPI, nous avons mis ensemble avec le ministère des Affaires sociales, directeur au FATMA, directeur au NATO, nous avons dit qu'il était répondu immédiatement. Je ne sais pas si ça te prend 2 ou 3 jours pour avoir une réponse. Et il y a eu au niveau PIM et au niveau PIC des agents, surtout au niveau de l'ONA, pour être capable d'enregistrer mon yo, pour être capable de faire mon yo gain cordio, et je remercie tout pour ça la faire. Au niveau de PIC, particulièrement, et l'image de mon espace côté pour le construire, ça relève en clinique médicale. Il va le construire en clinique qui est tout ça là-dedans, qui est capable d'aider mon yo au niveau PAC là directement. Construire un site internet qui a bien un site PIMAC-PIC, nous avons un service de sécurité, aménager un sous-commissariat pour appuyer PIM, construire un centre commercial. C'est quelque part une perspective responsable sur la PIO. Mairie Arcayet mettait bout dimanche 19 août là dans la deuxième édition camp d'été l'étape organisée sous place Arcayet. Clôti camp d'été a réalisé en présence magistrat commune là, Rose Milliard, Saint-Ville, petit frère avec directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale Yo, finalement chéri. Reportage Richardson Jordan avec Junior Avril. Ils ont été en chalet pour tout le monde à Kaye. C'est sous thème ça, mairie à Kaye, réalisé deuxième édition quand était ça, qui a réuni environ 3000 élèves dans différentes écoles dans la ville à Kaye. Ils ont une initiative qui permet de tout le monde apprendre et puis défouler pendant les vacances. Dans l'occasion de clôture quand était ça, dimanche 19 août, le magistrat à Kaye, à Ousmila Saint-Ville, petit frère, remettre valise, tennis et puis uniforme l'école by participants. On a recevoir 3000 personnes, on a baillé valise pour aller à l'école, on a baillé tennis, on a baillé uniforme et on a baillé livre pour faire rentrer des classes là. Son occasion de retrouver que les côtés que vous venez là, vous nous rencontrez avec l'autre, même si vous n'êtes pas dans la même école, mais quand vous avez l'occasion pour rencontrer et jouer ensemble, apprendre ensemble et former caractère de tout le monde, parce que tout le monde a formé aujourd'hui, demain si vous avez bien relève là. Général ministère intérieur à collectivité territoriale, la Fednel Monchéri, qui félicite mairie Akaye pour activité candidate ça, encourage l'autre mairie, fait même gens à mairie Akaye. Deuxième édition, quand ça, pour moi-même, les plus belles que première, et deux jours en jour, il y a plus de monde, de regarder la quantité de monde qui est là. Donc, c'est une initiative que mairie Akaye prend, et le ministère intérieur a conseillé plusieurs autres mairies. Et année ça, année dernière, pour être pour l'initiative là. Donc, c'est Mera Kaye qui gagne, ça me capable de gagner les secrets. Et après que c'est Kampal là qui prend plus bien et qui mène plus de monde. Et de jour en jour, il y a des clans après nous phénomène pour commune Akaye. Après Sainte-Ville Akaye, c'est tout par section communale qui a gagné pour bénéficier l'initiative ça. Qui a commencé lundi 20 pour bout 30 août qui a venu là. D'autres informations, enterrement Todd Lipierre Raymond alias Baron qui est tombé en babal bandit en date 30 juillet passé dans la commune Arcayet, chanté samedi 18 août là sous place Saint-Pierre. Réginald Jean-Louis qui ses collègues travaillent Todd Lipierre Raymond et recevoir plusieurs cartouches et puis Talaron Souffli sous cabane l'hôpital enterrement chanté tout en occasion. Stéphanie Charles avec Wilwich Moïse a présenté une reportage. C'est en présence plusieurs personnalités politiques, parents, familles, amis, enterrement Todd Lipierre Raymond alias Baron, chanté samedi 18 août là sous place Saint-Pierre dans la commune Akaye. Dans l'homélie circonstance là, Père Jean-François Tristan fait connaître toute bagaille pas fini après la mort pour monde qui c'est chrétien.
Li profite, mande chak moun nan asistans lan et ralye tèt yo pou si gran mèt la tare le yo nan lè yo pata. Chak evènman ke yo moun ap viv kom kretyen, kom pitit bon Diyo, et bien bon Diyo li mèm, li toujou kon parol ke li di la dan. Et c'est ça qui fait que matin, dans le même que chaque monde qui l'a, mais spécialement si là qui croit dans mon Dieu, dans le même que nous, chaque nous prenons un petit temps pour nous garder à travers l'événement ça. Qui j'en que bon Dieu lui-même lui interpelle nous. Qui j'en à travers l'événement ça, chaque monde, bon Dieu, capable de une façon de libérer nous. Alors Jésus invite nous matin pour nous capables de prêter en éveil. Quel que soit l'heure, quelle que soit la situation, parce que à n'importe quel moment, qui est capable de brûler nous. Porte-parole la présidence là, qui était présent dans l'occasion, Joseph Lucien Jura, présenté sympathie dans le cas de la famille victime, spécialement famille baron, et puis pour mettre PHTK pour te support de la famille, en attendant les miens faites sous dossier ça. PHTK a approuvé le débat devant cadavre. Spécialement devant cadavre Todli Pierre Raymond Di Baron, pour conviction, pour détermination, pour courage li et engagement dans parti. PHTK a dit madame ak petite et puis famille Baron yo ak Reginal yo pa pou koy. Coordination ak AEA getan dressé rapport situation an, qui montrait que il y a un pile problème. Bon, j'en réflexion comment c'est fait ou comment support capable porter à deux familles sayo qui pas ca sécher l'eau dans chez. C'est vrai, la mort c'est un passage obligé, mais ça pas veut dire pour n'aller dans n'importe circonstance. C'est déclaration mairesse communal Rosemila petit frère qui fait connait, il prend le travail dans tête collée à autorité compétente dans commune nan pour freiner Zak Brigandaï dans cité de rapport. Dans notre conseil municipal mairie à Kayé, dans notre peuple à Chéloise là, nous couper nous bien bas devant cadavre de autorisation ça yo qui allait dans condition inacceptable, dans condition que personne autorité pas qu'à camper et te garder, dans condition qui méritait à ce que petit arcaïe autorité arcaïe nous mettez nous ensemble pour que nous freiner Zak Brigandaï ça yo en tant commune. La mort c'est un passage obligé pour tout le monde, mais ça pas veut dire c'est dans n'importe circonstance on monde doit partir. Nous dit mes amis assez dans arcaïe. Fête le 24 novembre 1969, Todli Pierre Raymond alias Baron, rend dernier souffle 30 juillet 2018 là. Coordonnateur parti haïtien tête calée dans commune Akaye a mouri qui était dépitit. C'est au moment pour nous prendre une autre pause dans le journal là, pas débrancher Naptolé. On va le faire un coup de pied tout court dans l'actualité internationale là. Individu à Xam attaqué matin lundi à ambassade États-Unis dans le pays Turquie. Bâtiment qui logeait ambassade la recevoir pour pipiti 5 balles. Côté vite, une cabine sécurité écrasée. Enquête pour joindre présumé hôtel Zaksa avancé d'après la police Turquie qui dit les gains images, machine qui t'a transporté moun qui t'a posé Zakla. Attaque ça a venu dans un moment côté gain gros tension diplomatique entre États-Unis et Turquie. Hommage au Pasispan après l'an mort ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, qui mourit à 80 l'année, d'après dirigeant en pile pays sous la tête avec l'Organisation internationale. Kofi Annan, ayant dirigeant qui était abordé problème le monde avec en pile sagesse et puis chercher solution pour yo. Kofi Annan dirigeait l'ONU pendant plusieurs années et spécialement pendant la guerre en Irak avec génocide Rwanda.
Mais puis gros point noté développé pour dans journal là, Premier ministre démissionnaire Docteur Jacques Guy Lafontaine en tête délégation Conseil supérieur police nationale l'a visité hier dimanche dans commune Belader après attaque l'armée dominicaine dans zone non. Bureau Sénat République là remet officiellement pièce maître Jean-Henri Séan bail à commission spéciale Sénat qui chargée pour analyser dossier Premier ministre Nouméa. Ministère environnement lancé officiellement lundi 20 août là un projet réforestation dans le cadre de la conférence bilatérale entre pays d'Haïti et pays Mexique. Délégation qui t'a représenté Haïti dans 12e édition concours international Earth Science Olympiad Yeso 2018 là dans le pays Thaïlande, retourné dans le pays A, week-end passé A, ministre éducation nationale démissionnaire Pierre Josué Agénor Cadet et à l'AKI participant yo dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Dans l'occasion, 53e conférence lundi la presse là, ministère communication recevoir lundi 20 août là, directeur général la Société Nationale PAC Industrielio Bernard Chetini sous mission Sonapi, activité li réalisée à perspective li. L'actualité internationale là, hommage par Sispan, adjoint, ancien secrétaire général de l'Organisation Nations Unies, Kofi Annan, qui mourit à 80 l'année après un titan, il était passé malade. C'est là nous mettons fin dans le journal là, toute équipe là a été répondre présent pour porter le tour. Nous s'est passé, il y a une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.